On se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Far Cry Primal. Alors, c'est parti, on reprend notre aventure assez rapidement. Et là où on l'a laissé, donc, c'est vrai que je suis un peu perdu, je vais pas vous mentir, je me rappelle plus trop ce que j'ai fait, vu que j'ai joué un petit peu pas mal même sur The Division, un jeu aussi Ubisoft. Là en ce moment, c'est que des jeux Ubisoft. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire la quête du monsieur là, tu vois, le monsieur qui est là, là. Et on va partir par là, sur l'avant-poste qu'on a développé, déverrouillé. Du coup, je vais mettre un petit truc ici et on va y aller. On a à peu près 10 minutes dans le froid, mais si on arrive à faire un feu, on se réchauffe assez rapidement. Du coup, on va faire sans les vêtements et à la limite, si on trouve un yak sur le chemin, bah écoute, on le prendra, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Tiens, on a retrouvé notre chère petite monture. Alors, c'est parti. Donc ouais, je disais, ouais, The Division qui vient de sortir, qui est un jeu donc d'Ubisoft, un très bon jeu que je vous conseille aussi. Je ferai malheureusement pas de let's play dessus, mais vous pouvez quand même me retrouver en live. Vous pouvez regarder la chaîne Twitch juste en haut de ma chaîne, Team YD. Je live assez fréquemment dessus. Et là actuellement je suis dans les level 20, level 20. Et franchement c'est fort sympathique. C'est très 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 sympathique. Même si j'aurais aimé qu'ils améliorent certains trucs quoi. Enfin bref, nous sommes sur Far Cry et on va faire la petite quête du monsieur. Tiens. Là il y a quand même pas mal d'animaux qui essaient de se... Oh, tu fais quoi là? Allez viens, 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 viens. Tu vas où là? Viens, allez viens là. Alors, il y a pas mal de choses ici. Je vois s'il n'y a pas de serpent. Ok. Alors, hop. Tiens, là je vais te nourrir. Et là je vais te nourrir. Voilà. J'adore mon tigre, il adore attaquer les mammouths. C'est sa passion. Bon, on le connaît, hein, Jean-Pierre. Il adore les mammouths. Enfin bref, c'est parti, on remonte là-haut. Et c'est parti. Alors là, je pense qu'on a pas mal avancé comme sur Far Cry. Je refais un tour de la map. Je suppose même, c'est que je vais aller essayer de faire la chasse au loup. J'allais faire la chasse à l'ours, mais je me suis dit peut-être que l'ours est un petit peu trop tard. Trop tôt, pardon. Et du coup, je pense que je vais déjà libérer toute cette zone là. Et après je vais faire la chasse au loup, je pense que ce sera pour le prochain épisode. Mais pour l'instant on va se contenter de l'épisode de ce chasseur Garrosh. Du chasseur Garrosh. Ah c'est bien, c'est sympa, et c'est des plantes différentes à certains endroits. D'accord. Ouais. Non, pour les plantes en fait j'avais pas remarqué qu'il y avait des plantes différentes dans chaque endroit. J'avais remarqué pour les cailloux et les branches, tu vois, mais pas pour les plantes. Ah voilà, on a récupéré Garrosh. Sauver un mammouth. Alors attendez, mon micro vient de tomber. Sauver un mammouth, monter sur son dos et piétiner les chasseurs et dames. Donc okay, on va s'entraîner. J'ai jamais monté sur un mammouth. Ok, bouillie du dame. Alors j'ai l'impression que Garrosh n'aime pas trop les udames. Mais on comprend, en fait j'ai à peu près compris pourquoi il les aime pas. Je pense que c'est à cause de son non-œil. Alors on va trouver le mammouth. Allez, on joue en mode discretos. Allez, je vais monter sur le mammouth. Allez, allez, on va y aller avec le mammouth. Allez, je vais vous défoncer, les gars. Allez, on va se faire une petite chevauchée de mammouth. Wouh! Franchement, oh le plaisir. Boum. On va détruire les arbres. Allez hop. Ok, donc c'est... Ah ok, bon bah c'est purement de la destruction. Je crois qu'on n'a pas trop besoin de tuer les udames. Hop, on défonce leur merde. Et hop là, toi tu as volé direct. Attends, on va tirer une petite flèche comme ça, hop. Ouais, je m'en fous, allez.
Ok, bon, faut détruire quasiment tout, tout quoi. Comme à chaque fois quoi. Allez hop là. Alors les gars, vous avez, vous faites plus rien là. Ouh, même les mecs avec une putain d'armure, tu les défonces en 2 secondes quoi. Ah le mammouth. Meilleur ami de l'homme. Hop, ça c'est fait. On détruit un peu tout là. Ah, y'en a plus qu'un là. Et c'est bon. Rejoignez le troupeau à 2 mammouths. Bah écoute. Je crois qu'on va se faire aimer des mammouths. Je sais pas pourquoi, mais ils vont nous adorer là. Descendez du mammouth. Ouais, je descends ma gueule. Merci à toi, mammouth. Allez, feu de bois. Un petit feu de bois pour se réchauffer. Voilà, le froid. C'est nickel, ça. Donc là, on a vraiment géré. On fait notre petite quête tranquille. Donc vous voyez, ça a été rapide. Moi, ce que je vous conseille, je vais partir directement faire le bûcher. Et on va monter à dos de Jean-Pierre. Allez, c'est parti, Jean-Pierre. Franchement, c'est très très utile d'avoir une monture. Bon, les mammouths, tu vois, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas le garder à côté de toi, tu vois, ça aurait été sympa. Tu sais, tu gardes ton petit mammouth à côté de toi et tout ça. Ah merde, ils m'ont repéré direct. Oula. Ah, c'était pas. C'était que. Ok, ok, c'était qu'une patrouille. Putain, j'ai eu chaud là. Une petite patrouille qui passait tranquille. Ah, les feuilles rouges, c'est utile. J'aurais bien voulu savoir me voler, tu vois, mais je sais pas encore voler. Du coup, bah, je descends la montagne en mode descente, tu vois, en mode luge. Chut. Hop, on récupère un peu de ça. Un peu de bois, on va en avoir besoin. Allez, on va le bouffer. Allez, on va pas le laisser gagner. Défonce-le, défonce-le, ma biche. Wow. Oh, il l'a défoncé là. Là, il s'est pas laissé faire. Ah, voilà, c'est ça mon chien. Ah, c'est ça mon chat, pardon. C'est un chat. Un grand matou. Allez, c'est parti. On va y aller directement avec ça. On va envoyer notre hibou tranquillement. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé un par SMS des gens qui me disent enfin par SMS, par message sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé tu joues à la manette, t'es une quiche, la FPS, tu joues à la clavier, la souris. Mais écoutez, je fais ce que je veux et j'assume de jouer à la manette. Je suis bien sur PC, en ultra, tout ça, mais franchement je préfère jouer à la manette. Far Cry, ça a toujours été à la manette. Et ça a jamais été mon kiff de jouer au clavier à Far Cry. Enfin, voilà. Je fais mon petit... mon petit point. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça, ils font pas qu'à moitié le travail, hein. Ouh là là. Viens là toi. Hop. Et lui. Hop, c'est fait, mise à mort direct. Ok, on fouille un peu. On prend une petite flèche. On enflamme. Et hop là, on allume le feu des JO. JO, moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Non, franchement, là, on assure. Ok, on a fait 8 sur 16. On a déjà fait pas mal de bûcher. Et ça va nous apporter beaucoup de visibilité, je pense. Pas mal de visibilité. Je me demande ça fait quoi de les... En fait, de les... Tu les portes et tu les jettes à la flamme comme on a fait dans la mission, vous rappelez.
Hop. Bon, ça fait rien en fait. Du coup, je vais récupérer la viande. C'est gratuit. Non mais regarde, c'est gratuit, c'est gratuit, on en profite. Flèche en bois, pas mal de choses à récupérer. Et nous, on va faire l'avant-poste. Pas du tout difficile. Alors, je vais partir à dos de... à dos de chacha. On finit de manger là, et on va y aller. Voilà, on remonte. À dos de félin. Ouais, donc je faisais une petite parenthèse entre la manette et le clavier de la souris. Déjà, je le fais pour le plaisir de vos oreilles, pour entendre un clavier mécanique et une souris faire tic 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 pendant toute une vidéo. Je vous promets, c'est très 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 chiant. Hop, ça c'est fait. Et franchement, vous avez pu profiter du let's play à 100% sans bon, quelques morts inutiles, ça c'est vrai, mais même avec une souris, je les aurais pas évité. Donc là, de toute façon, je vais devoir descendre de ma monture et balancer mon hibou. Petit hibou bien utile quand même. Non mais si, j'aurais préféré avoir un faucon. Pas vous? Ok, je vois le genre. Et hop là. Ok, c'est nickel. C'est parfait ça. Ok. Oh putain. Mon tigre est en train de se battre en bas. Du coup, faut que je confectionne ça et que je balance. Vas-y, on va descendre direct. Mais non, mais non, mais non, pourquoi tu veux pas descendre, putain, descends, j'ai dit. Oh là là, foutu. Mais non, mais voilà, mais... Bon, c'est vrai, là, c'est un bug à la manette. Là. Oh putain, mais c'est quoi ce Beans? C'est pas possible. Oh là 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 là. Putain, faut que je me soigne. Voilà, là. Pouf. Voilà, par contre là. T'es encore debout toi. Hop, ça c'est bon. Ouais, on va se les faire quand même. On va tous se les faire. Hop. Coup de cut, tranquille. Attends, je vais pas me laisser faire, tu vas voir. Fais-toi ça. Je vais te soigner, mon petit bébête. On va pas te laisser. Hop là. Et où l'autre? Je crois qu'il se fait bouffer là. Voilà, nickel. Et où le dernier? Le dernier, il est là-haut. Par là, par là, on va l'avoir. Ouf. Et là, toi tu vas. Voilà. Mon Jean-Pierre, il prend tout le monde par derrière, il vous défonce tous. Et hop, nouvel avant-poste. Bon, j'ai un peu fouillé tout partout. Par contre, il fait vachement sombre ici. Hop là. C'est vrai que j'avais changé ce paramètre à l'époque parce que au début du jeu, c'est vrai que c'est assez frustrant.
ça c'est bon. C'est assez frustrant, exact. Mais là, je pense que je peux remettre. Voilà. On commence à arriver dans des endroits un peu sombres. Et du coup, voilà, hop, je fouille un peu tout partout. Putain, je les ai quand même pas fait bien mal. Ah, je les ai bien amochés les ennemis quand même. Hein. Hop, ça on va remettre à fond. On va mettre un petit sac à abeilles. Et voilà quoi. On fouille un peu le maximum de caves qu'on peut. Il y a des petits sacs aussi à fouiller. Oh non, même pas. C'est même pas des petits sacs. C'est des trucs à récupérer. Hop. Vraiment, j'essaie de récupérer un maximum de choses. Voilà, j'ai quand même commencé à avoir les sacs un peu vides. Ouais, alors ça c'est bon. C'est vrai que nos alliés récupèrent pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour du craft. C'est bien d'avoir des alliés, tu vois. Et un poisson aujourd'hui. Il a réussi à, ils ont réussi à loot un piaf. Enfin, un piaf. Un poisson, je confonds un oiseau et. Je suis fort, moi. Tiens, on va récupérer la viande. Ou à l'ivolou. Alors, et là, normalement, bon, voilà, il y a pas mal de choses à faire, vous êtes d'accord. Tout ce qui est orange, on peut les faire. Mais c'est pas mon but là, les missions secondaires, ce sera un truc que je ferai plus tard, hors dehors des let's play. Là, on vise vraiment l'histoire principale, la chasse et tout ça. Parce que voilà, je vous mets un petit objet, les objets orange, aider les Evanja, mise à mort, mission de village, tout ça quoi. Alors que ça, tu vois, je finis le jeu. Et tous les trucs comme ça, bah je peux les faire tout à la fin. Tu vois, rapidement quoi. Donc franchement, je vois pas d'utilité. Du coup, on va retourner à notre village. On va voir ce qu'on peut y découvrir. Des missions peut-être, ouais je pense. Il y a le chaman qui veut nous donner une mission. Peut-être encore une mission pour... peut-être une mission pour nous envoyer encore dans l'espace là. En tout cas... Au niveau du village, j'ai besoin de peau d'ours des cavernes, de loup tigré et de cerf. Très rare. Très rare. Moi, ça, j'ai pas trop besoin encore. Hop. Compétence. Ah, il me manque un point de compétence et c'est bon. Peut-être en faisant la quête du chaman, je pourrai avoir enfin ma dernière barre de vie. Voilà, voilà. Comme ça, j'aurai la dernière barre de vie et le reste, bah. Je pourrais m'en préoccuper. Au revoir le fou. Ah, il va pas nous envoyer par le Saint-Esprit là, on va devoir se venger. Ah, j'adore les trucs de vengeance. C'est ma tasse de thé, les gars. Vous savez pas comment. Voilà, on va partir sur une quête. Une quête que j'apprécie fortement en plus. Ouh, c'est par là en plus. C'est les. Moi, je les appelle. Je les appelle les ennemis bleus. Bon, ils sont toujours habillés en bleu. Et du coup. J'aime bien ce genre de quête. Là, ça va être de la défense. Je vais les défoncer leur race en fait, on va dire. Thank you.
Hop, c'est des yaks, en tous les cas. Voilà. Un yak de moins, un yak de plus. Y'a pas grand chose à faire. Ouais, je vois pas de yak blanc, c'est ce que je cherche. Moi, je cherche un petit yak blanc. Mais j'en vois pas, donc pour l'instant, inutile de faire de la chasse au yak. Alors, on va repartir vite fait, sa quête elle est là. Normalement, on va voir les cubes bleus là. Ouais, c'est aussi une sorte de poudre explosive. Ça a l'air d'être vachement corrosif. Arbre du sud, on a toujours besoin. Ah voilà, j'avais perdu la piste, j'avais vu le chasseur, du coup je me suis dit... Oh les gars, un yak blanc. Oh, oh le yak, je l'ai. Oui. Yak blanc rare, yes, c'est nickel, c'est nickel, on a réussi à looter. Et on va avoir nouveau vêtement. Ah ça c'est nickel. Transport 3 appâts, 12 portions de viande et 12 portions d'amélioration. Ouais bah là ça vaut vraiment le coup cette amélioration. Bon les flèches on en a assez pour l'instant. Ok, on reçoit les traces de sang par là. Ah là là, il y en a encore plus. Putain, ils ont fait un massacre ici. Ah, ils les ont brûlés vives. Ah, les bâtards. Mais franchement, je vais défoncer leur cul et je vais même les piquer avec mes abeilles, tu vois. Oh, c'est vachement gore. Par contre, là, ouais, c'est. Dois lui boire pépère. Tranquille toi. Hop. Ouais du sang là. Et du sang du chasseur est vachement utile. Je trouve ça. Ça me fait un peu fusion d'aigle qu'on avait dans Assassin's Creed, mais franchement, bien trouvé. Bien trouvé Ubisoft. Je trouve ça assez sympathique. Oh non, il va pas les tuer les Wanja là. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu lui fais? Ah, c'est un Udam. Il fait quoi? Il lui coupe les couilles. Oh putain, c'est pas dire impressionnant, mais c'est horriblement dégueulasse. Putain, ils vont faire du mal à Wenja. Faut que j'y aille vite. Vas-y, mon gars. On va y arriver. Je laisserai pas les Wenja mourir. Le Udam encore, tu peux les buter, ça me dérange pas. Mais attends, les Wenja. Ouais, chut, on fait pas de bruit. Ah, il y en a là. Hop. Je vais venger mes... Je vais vous défoncer les gars. Hop. Quoi? Tu survis? Ah bah non, tu... Je me disais bien. Ah.
Putain, mais c'est un tank ce truc. D'accord. Tu veux jouer à ça? Ah ouais, d'accord. Non, il va vraiment jouer à la bagarre lui. Ah putain. Je ne laisserai pas faire, tu vois. Allez, allez, allez. Allez Jean-Pierre, on y va. On va tout incendier nous. On va tout incendier à ces enculés. Hop. Ça va être un feu de joueurs, je te le dis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aussi brûler toi? Hop. Par contre c'est chiant de toujours devoir retourner. Et pouf. Hop, on va mettre le feu. Allez les gars, on fait une petite fête. Petite fête à Ibiza, non à Easy là, attention. Ibiza à l'ancienne quoi. Ce mec tranquille, on l'attaque mais ils sont contre fous. Qu'est-ce que tu me veux toi? Tu parles au plus grand Wenja du monde, au chef Wenja, à l'élu. Et je vais tous vous brûler, bande d'enculés là. Vous avez vu ce que vous avez fait à mon peuple? Surtout toi là. Ah tu t'as rien à foutre là. C'était assez gore quand même. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à brûler encore? Ok. Et hop, là-bas, il y a un truc à brûler. Et là-bas aussi. Pouf. On va pouvoir récupérer, on va pouvoir libérer nos amis. Allez les Wenja, faut sortir maintenant. Et alors on se casse du camp. Hop là, tire la tête tranquille. Qu'est-ce que tu veux toi? No scope. Je suis un des meilleurs. Putain, il lui a. Il a plus à défoncer les. Les coquignettes lui. Bon, on se casse du camp. On a mangé nos frères Wenja. On a essayé. On a sauvé Garrosh. Enfin, on a aidé Garrosh avec notre mammouth. Et on a libéré le nord des ennemis. Et on s'est fait capturer. Mohéochte!
Toad, range away! Achtor! Et je coupe là pour cet épisode.